On n'a pas le TV ici aujourd'hui, donc à Verquin. Eh bien, on est toujours présent, bien sûr, à l'occasion de super fête des Poireaux Folies. Nous sommes donc en octobre. Hein, c'est une date toujours régulière. Et je suis avec la présidente, Madame Delahaye. Eh bien, bonjour, Madame. Bonjour à vous. Bonjour à tous les auditeurs. Les téléspectateurs ici en plus. Hein. Téléspectateurs, oui, effectivement. Excusez-moi. Alors donc, on vient de faire un petit tour, l'inauguration, hein, ça se passe bien. Bon, c'est vrai qu'on a de la chance, il n'y a pas de pluie, bon, on ne peut pas toujours commander le soleil. Hein, donc, on est, disons, obligé d'un petit peu d'heure. Mais apparemment, bon, qu'il ne pleut pas, donc ça se passe bien. Oui, ça se passe très bien. De toute façon, s'il y a trop de soleil, les gens vont à la mer. Alors, j'aime autant avoir un temps un petit peu gris, au moins ils viennent ici. Et puis, il y a tellement de choses divertissantes. Effectivement, ils viennent quand même s'il y a des nuages. Alors c'est vrai que cette année, bon, on n'a pas la salle, mais bon, on a le côté champêtre, hein, parce que c'est vrai que le chapiteau, ben, c'est le côté champêtre, on vient de faire le tour. Bon, c'est notre image, et ben, c'est bien aussi comme ça. Hein. Ah oui, moi j'aime autant des chapiteaux, je trouve que c'est plus convivial, ça a un petit côté, comme vous disiez, un petit côté champêtre, et moi j'aime beaucoup. Alors ces deux chapiteaux, on vient de les visiter, ils sont répartis en deux volets. Je crois qu'il y a un côté spécial gastronomique, hein, et puis l'autre côté, bon, les produits artisanaux. Un peu artisanaux. Donc voilà. C'est bien, c'est que tout est localisé, on a bien l'occasion de voir tout. Et puis c'est vrai que ça se présente bien, donc voilà. Oui, bah là, les exposants me disent qu'ils sont bien installés. Ils sont très contents parce que bon, ils sont à l'abri, donc c'est déjà ça. Et même les personnes qui sont à l'extérieur sont sous tonnelle. Donc tout le monde est à l'abri et le public est là aussi, donc tout est bien. Eh bien, on peut peut-être rappeler le nombre d'exposants. Alors aujourd'hui, j'en ai 66. Donc c'est quand même un nombre assez impressionnant pour une fête, pour la fête d'une petite ville, parce qu'il faut rappeler que ce n'est pas commercial, ce n'est pas une foire commerciale. Donc nous faisons avec les moyens du bord. Alors je peux vous assurer que c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, mais on y arrive. Mais c'est vrai qu'on vient de voir, ben, le monde arrive tranquillement, comme ça, en se promenant les voies, ça. Hein, donc, ben, eh bien écoutez, merci Madame la Présidente, hein, Madame Delahaye. Puis je vous rappelle qu'on retrouvait cette interview sur Odopal TV. Merci. Merci beaucoup, merci à vous.